Un degré de vite en plus, deux degrés de vite en plus d'appui, moins d'appui, dans la pression, dans les mains, dans les, sous les fesses, sous les pieds. Sur ça qu'on apprend à sentir le plus possible le bateau. Je m'appelle Nils Tenink, j'habite à Puy. J'ai commencé la voile à l'âge de 6 ans au club nautique de Puy. J'ai eu mes premiers résultats assez sérieux en laser 4.7 avec un titre de champion du monde de moins de 16 ans. Ce que je pense pouvoir apporter à l'équipe, c'est avant tout une expérience sur des grosses flottes, donc des contacts, trouver des solutions rapidement. J'ai toujours navigué sur des bateaux solitaires, en quelque sorte. Du coup, arriver sur un équipage, ça demande beaucoup plus de communication. Mais au final, c'est quand même un peu les mêmes informations. Il faut apprendre à les extérioriser. Communiquer plus et peut-être trier les informations utiles pour le travail d'équipe. Avoir une bonne préparation physique, c'est sûr que c'est important. Ça permet de ne pas être dans le rouge et donc de pouvoir se concentrer sur les choses importantes. Et justement, moins on est tendu, moins on a mal partout, plus on peut se concentrer sur ce qu'on ressent, ce qui est important à ressentir sur un bateau. On peut rarement se tromper si on se fie plus à nos sensations qu'aux techniques. Toujours tout donner, c'est bien. Bien, j'irai. Ah, c'est la mort, ça fait mal au bras.